Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. J'avais fait un songe sur la parole que le frère disait tout à l'heure. Au fait, un jour j'étais couché et j'ai discuté avec le père de mes enfants, avec des gens qui étaient avec lui. Et du coup, j'ai ma Bible qui était disparue. Et comme la Bible était disparue, j'étais assise et puis j'ai vu le frère Chora qui m'avait demandé, « Ma soeur, ça va ?» J'ai dit non. C'est-à-dire, quand on m'a pris la Bible, c'est comme on m'a arraché le cœur. On m'a enlevé quelque chose dans moi qui n'était pas bien. Donc j'étais assise, je n'étais pas moi-même. C'est comme tu as une lettre, on enlève la lettre et puis ça reste l'enveloppe. Et quand le frère m'a donné la Bible, je dormais et je me suis réveillée, yeux fermés et la main au ciel. Mes frères, c'est pour vous dire que on a Dieu dans notre main. Et Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Moi, vraiment, je salue le Seigneur aujourd'hui. Il me fait beaucoup de grâces. Et je remercie le Seigneur d'avoir me touché et m'enlevé dans la boue. Dans la boue et dans le caniveau. Aujourd'hui, il me lave, me fait plein de trucs. Je dois faire un témoignage. Beaucoup, j'ai plein de témoignages. Il faut que je parle à mes frères musulmans pour dire, Allah n'est pas Dieu. Mohamed attend son jugement. Mohamed aussi n'est pas Dieu. Le Dieu, c'est Jésus. Il est en haut de tout. Il est en haut de tout. Il est le seul Dieu. Oh Seigneur, moi ce Dieu, j'ai prié pour qu'il me donne encore son amour et à mes enfants qui touchent le père de mes enfants. Parce que ce Dieu, quand j'étais dans musulman, je n'ai jamais vu des miracles que le Seigneur me donne aujourd'hui. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je travaille un CDI de un jour. CDI de un jour. Ça, c'est la faute du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mes frères musulmans, réveillez-vous. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il me montre beaucoup de choses. Après, je vais voir le frère où je vais prendre un rendez-vous pour sortir. Venir que le Seigneur mette la main sur mon cœur pour témoigner. Ce Jésus est vivant. Il est Dieu. Il a honte de tout. Et il faut que les musulmans sortent dans le noir. Ils sont dans la boue. Oh Seigneur, je te remercie de louer tous les jours. Personne ne peut m'arracher cet amour. Personne. Aujourd'hui, je suis persécuté partout. Dans ma famille, j'ai une joie au cœur. Oh Seigneur, merci. Merci, mes frères et sœurs. Donnez-vous à la Bible. On a Dieu dans notre main. Qui est la Bible. C'est lui. Moi, quand on m'avait arraché, j'étais pas bien. J'étais morte. J'étais assise, mais c'était pas moi. Et quand j'ai eu la Bible, je dormais, je me suis réveillée comme ça avec la main au ciel. Oh, mes frères et sœurs, j'ai pris le Seigneur qui me lave avec son sang. J'ai soif de quelque chose, c'est sa parole. Je ne suis pas là à l'école. Même si je suis allé CP1, CP2, c'est rien. Oh Seigneur, il m'a créé propre. Je veux qu'il me lave encore propre. Pour connaître sa parole, il ne veut pas qu'on m'arrache. Et Seigneur, tu m'as créé, je suis à toi. Papa, mes frères musulmans, oh, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, quand le frère parle, ce n'est pas lui-même. Et mes frères et sœurs, la foi, si vous avez la foi, il n'y a pas de problème. Je faisais Allah, je priais, rien. Mais avec ce Jésus, je ne viens pas toujours chez le frère. Souvent, je prie. Un jour, j'avais un problème de genou. J'ai dit, Seigneur, mon pied, si tu veux, si c'est ta volonté, mets des firons, je vais plier pour prier, pour te glorifier, pour te louer. Ce genou, Seigneur, je te donne, c'est toi qui as créé.
J'ai prié dessus ce qui était dans mon cœur, j'ai dit. Et je suis allé me coucher. Le lendemain, j'étais dans le canapé, je vois mon genou qui bouge. Je vois le genou qui bouge. Oh Seigneur. Oh, Allah ne m'a pas fait ça. Mohamed ne m'a pas fait ça. Oh Seigneur. Dieu, Jésus, il est vivant. Il est vivant. Oh Seigneur. Oh, il m'a touché dans ma famille. Il sait pourquoi il m'a touché. C'est pour toucher des frères aussi, pour sauver leur vie. Les musulmans qui regardent aujourd'hui en direct, j'étais musulmane. Oh Dieu, oh je suis, personne ne peut m'arracher. Oh, hey. Seigneur. Oh, Jésus est Dieu, il est vivant. Oh, à chaque fois j'ai prié, quand je lui ai dit mon problème, c'est réglé. Il ne me laisse pas, il est vivant. Parlez, la foi. Si vous avez la foi et vous faites confiance, il ne va pas nous lâcher. Accrochez-nous. Le frère vient de parler. Tout ce qu'il a dit, vraiment, c'est comme j'étais dans son cœur et il était dans mon cœur. Oh, mes frères et sœurs. La foi. Moi, j'ai la foi. Je ne sais pas lire. Hein? Je ne sais pas lire. Mais il suffit que je lui montre mes problèmes, mes fardeaux. Quand je dis, Seigneur, je te confie, c'est réglé. C'est réglé. Il me guérit vis-à-vis. Un jour, j'allais au travail. Je fais un travail de 5 heures, 6 heures, pour 3 heures. Et je marchais. J'écoutais la chanson du Seigneur à 5 heures du matin, comme le temps est beau. Et je marchais, j'entends un bruit à côté de moi. Comme l'autre oreille, il n'y avait pas écouté, j'enlevais l'autre. Et je regarde derrière, je ne vois personne. Pas de voiture, pas quelqu'un sur la route. Oh Seigneur, Allah ne m'a pas donné ça. Oh les musulmans qui étaient dans le noir. Les musulmans qui étaient dans le noir, je suis fier d'être chrétienne. Je suis fier. Je crie, je vais parler. Oh, Seigneur. Quelle belle déclaration d'amour. Confessez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia.